Yo tout le monde, c'est Killera, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a une vidéo le samedi, on est samedi, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'aujourd'hui il n'y a pas de live les copains et j'avais trop envie de terminer ce jeu. J'avais trop envie de le terminer. Donc du coup je me suis dit allez tant pis, on va faire une autre vidéo samedi, ça sera la vidéo bonus vu qu'il n'y a pas de live ce week-end sur la chaîne. Et on va enchaîner tout simplement parce que là je peux pas, il faut que je sache la suite. Ça me hante, ça me détruit de l'intérieur, il faut que je sache la suite les amis. Donc j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour la suite du coup de Friendzone, vous vous en doutez. Donc là il y a Zoé du coup qui nous parle. Hello! Alors on va lui répondre. Bonjour Zoé, comment tu vas? Alors je vais bien, j'ai passé une bonne journée et toi? Ça va, merci de demander. Sachant qu'on s'est arrêté carrément à des événements hyper flippants. On va dire ça va, merci de demander. On va être assez poli. Et vous êtes rendu à Kiki, c'est quoi cette coupe de merde? C'est normal, j'ai été faire les courses, il pleuvait dehors. Est-ce qu'on en parle de ce temps de merde les amis qu'il y a dehors? Il faut qu'on en parle je pense. À 16h il fait nuit, hein. C'est pire qu'un Dracula le bordel. Tu m'as dit que tu espérais me revoir très vite, me voilà. J'ai marqué, je suis content que tu m'as envoyé un message. D'ailleurs, puis-je t'inviter à sortir ce soir? J'aimerais t'inviter à dîner ce soir, mais je ne connais aucun bon restaurant ici. Ok, on va lui dire qu'on aimerait l'inviter à dîner ce soir, mais du coup, qu'on connaît pas trop de bons restaurants. Oh, bah tiens, on va payer un Burger King. Ce sera meilleur que ces restaurants. Alors, je ne m'attendais pas à ça, et moi non plus, je ne connais aucun bon restaurant, si tu veux. Je peux te proposer de passer à mon appartement, je comptais faire une soirée Game of Thrones. Oh, elle est cool, Eva. Zoé. Oh putain, Eva, merde, la pauvre. Qui n'aime pas Game of Thrones? Dis-le-moi dans les commentaires, d'ailleurs. Est-ce qu'il y en a qui n'aiment pas? C'est cool. Moi, j'aime pas. Je veux juste me spoil pour ne pas paraître ignorante quand les gens m'en parlent. Elle est sérieuse. On essaiera de faire des critiques de la dernière saison ensemble. Ça c'est un truc que je fais souvent quand je regarde des séries la plupart du temps. Après j'adore les partager avec mes potes. On fait les critiques, on fait ah t'en as pensé quoi à tel moment et tout. On m'a marqué ouais avec plaisir. T'as la meuf mais elle est un peu con parce que moi j'aime pas une série. Je me force pas à la regarder pour comprendre pourquoi est-ce que les gens l'aiment quoi. N'importe quoi. On dirait que tu te sens trop exclu en fait de la discussion. Les gens parlent de God, du coup t'es vachement reclus. Tu fais bah je sais pas. En tout cas je suis contente que tu m'aies pas invité à aller au cinéma comme les autres. Je trouve ça tellement chiant. Oh non, bah c'est bon, j'ai rien dit. Ouais, elle est pourrie. Elle est pérave, la meuf. Elle trouve que le cinéma, c'est chiant. C'est trop bien d'aller voir des films d'horreur et tout. Tu es très demandé à ce que je vois. Ce qui compte, c'est que ce soit les bonnes personnes qui t'invitent. Je veux dire, ce qui compte, c'est que ce soit les bonnes personnes qui t'invitent. Mais c'est n'importe quoi. C'est cool, alors tu fais quoi de beau sinon? Bah là, je suis en train de réécrire une vidéo, tu vois, et j'ai besoin de toi. J'écoute de la musique et toi, rien de spécial et toi. J'ai marqué, j'écoute de la musique. Pour le peu qu'elle me fait. T'écoutes quoi comme musique? Je le sens venir. Dans ce cas, j'espère que tu as de bons goûts parce que j'ai besoin de découvrir de bonnes musiques. Zoé, je la sentais déjà pas trop. Pour ma part, je cherche des faux raccords dans le dernier Star Wars. Star Wars, c'est la base. Je préfère le Seigneur des Anneaux, ça a l'air intéressant. J'ai quand même envie de lui dire que je préfère le Seigneur des Anneaux. J'ai marqué ça a l'air intéressant. Parce que moi, je veux savoir la suite de l'histoire. Mais il veut pas parler de son rêve là qu'il a fait, c'était vachement bizarre. Je pense que c'était un rêve qu'il a fait vis-à-vis de Eva. Finalement, j'ai décidé de me réinscrire sur le chat. De te revoir, oui, c'est ça, de te revoir m'a fait comprendre que je devais avancer. Ok. J'hésite entre deux photos pour remplir mon profil. Alors, première ou deux. La première est mieux que la deuxième, perso. À ton avis, je devrais mettre laquelle? Moi, je vais dire. Je préfère la première. Bon, je vais préparer l'appartement pour ta venue ce soir, c'est le bordel ici. On se dit. À quelle heure? Voilà, on se dit quelle heure parce que du coup on a pas planifié d'heure, rien du tout, tout le monde s'en tape. Tu peux venir à l'endroit où on s'est rencontrés l'autre jour, j'habite par là, je viendrai te chercher. Je serai prête pour 19h30. Il est temps d'aller à votre rendez-vous avec Zoé. Chapitre à sauvegarder, arriver en avance, arriver à l'heure. On va arriver en avance. Zoé marche vers vous, elle porte une belle robe rouge. Attends, on est sur de la drague ou on est sur un épisode de Game of Thrones là? Killera, c'est toi, ça fait longtemps que tu attends? J'aurais dû vraiment mettre un nom masculin. On le fera pour le 2. Assez longtemps, oui, non, seulement quelques minutes. On va juste dire non, seulement quelques minutes. Ah, je t'ai vu arriver depuis ma fenêtre, je voulais voir si tu étais honnête. Maline. Tu n'es quasiment pas couverte, tu n'as pas froid, on y va, ok. J'avoue que s'il vaut mieux qu'on rentre, tu me suis. Ok, let's go, je te suis. Tu verras, ce n'est pas bien loin, j'habite au premier étage. On y est, je te laisse rentrer. Zoé vous invite à entrer. Merci, je t'en prie après toi. Ok, on va lui dire merci, on va pas dire je t'en prie après toi, c'est son appart, la meuf, elle le connaît par cœur. Zoé s'écarte et va directement à la cuisine. Tu en penses quoi? C'est très beau chez toi, c'est bien un appart de femme que je vois là, c'est très chaleureux. J'ai marqué c'est très beau chez toi. Il y a des coussins partout. Ça c'est un truc de meuf. Tu aimes? Oh j'avais lu tu m'aimes. Je dis oh. On voulait juste regarder Goth à la base. Hein. Regarde. Elle pointe du doigt des peintures. J'ai complètement arrêté d'écrire des histoires d'horreur et j'ai repris la peinture. J'espère qu'elle dessine pas genre Zoé ou Eva. Hey, pas mal, tu as un don, qu'est-ce que ça signifie? Ah, c'est juste que j'en ai fait très longtemps.
Ok. C'est long à expliquer et assez personnel. Eh bien, je n'aime pas du tout. Une personne aussi belle que toi ne pouvait peindre que de belles choses. D'accord, c'est intéressant. Je vais juste lui dire d'accord, c'est intéressant, parce que ça fait un petit peu péteux quand même. Une personne aussi belle, nanana. Zoé est heureuse. J'ai préparé des pizzas, ça te va? Vive les pizzas, ça me va parfaitement. Si tu veux, on peut cuisiner ensemble. Attends, la première soirée ensemble, ça y est, quoi. Cool, j'avais peur que ça ne taille pas. Sauf que je suis nulle en cuisine. Oh, ne t'inquiète pas, c'est parfait, on peut cuisiner ensemble. La meuf, je suis nulle en cuisine. J'adore raconter des histoires d'horreur et tout. Super, je les réchauffe. Après avoir réchauffé les pizzas, Zoé vous rejoint dans le salon. D'ailleurs, ça, c'est un truc typique de potes et tout. Quand tu vas te faire une série ou quoi, les pizzas, c'est le truc le plus basique au monde, quoi. Après avoir réchauffé les pizzas, Zoé vous rejoint dans le salon. S'il faut que ça chauffe, autant attendre dans le salon. J'ai préparé le premier épisode de Game of Thrones, mais si on le finit ce soir, c'est vraiment qu'on n'avait rien à dire. Oula. Ça dure 50 minutes en moyenne, hein, un épisode de Game of Thrones. Hein. 50 minutes, une heure. On n'en aura pas besoin, j'en suis certain. On va passer une super soirée. Ok, je dis on va passer une super soirée. Tu as raison, en plus j'ai plein de choses à te montrer. Oula, tiens par exemple. Je la sens mal. Zoé vous montre un livre. Mais c'est le dernier Harry Potter, penses-tu? Je l'ai trouvé il y a quelques jours. Ça parle de psychologie visuelle. Il n'est pas très propre, mais c'est encore lisible. Je ne comprends pas, et donc, qu'est-ce que ça dit? Eh bien par exemple, si je prends une page au hasard, le livre demande de choisir entre trois formes, le carré, le triangle et le rond. Donne-moi ta forme préférée. Ah. On va prendre ça les amis, on va prendre ça. Je dirais le triangle. Si elle critique les triangles, je lui casse la gueule. Alors, pour le triangle, ça dit... Vous êtes une personne sur qui on peut compter. Quelqu'un qui garde les gens qu'il aime très proche de lui. Oh, c'est beau, c'est beau, c'est vrai. Je suis d'accord avec ça, je pense que c'est totalement faux. On va dire je suis d'accord avec ça. Après, les formes ne veulent pas tout dire. Moi, j'ai une foi solide en les rêves. Ça me rappelle que j'ai rêvé d'Eva. Ce sont tes yeux, le rêve. Je pense aussi que les rêves sont très importants. Je vais lui dire ça me rappelle que j'ai rêvé d'Eva pour parler un peu de mon rêve. Ça sera... Ah bon? Et qu'a-t-elle dit? Elle ne m'a pas dit grand-chose. Elle m'a dit qu'elle était orpheline. Ok, on va parler de ça. C'est étonnant, trois petits points. Est-ce que je me trompe en disant que c'était la vérité? Je vais lui dire juste pourquoi. On va essayer d'en savoir un petit peu plus. Elle ne l'a dit qu'à moi, ça. Oula. Et qu'a-t-elle dit d'autre? Je me souviens pas du reste. Qu'elle est morte. Putain. Ok, on va être hyper honnête. On va dire ce qu'on a, de quoi on a rêvé, tout simplement. Zoé est choquée. Non, ce n'est pas possible. Elle se met à trembler. Zoé, ça va, du calme, tout va bien. Je lui demande si ça va. Mais non, ça va pas, tu viens de me dire qu'elle était morte, connard! Je suis désolée, mais j'ai besoin d'être seule, s'il te plaît. Partir, je refuse, je préfère rester pour toi. Qu'est-ce qu'on lui dit? Autant rester pour elle. Parce qu'elle nous friendzone comme une merde. Sors de chez moi. Vous sortez de chez Zoé. Zoé n'a pas cessé de pleurer ce soir-là. Elle a finalement décidé de s'enfermer chez elle. Elle a malheureusement été retrouvée morte par suicide en ingurgitant une trop grande quantité de médicaments. Noyée par le chagrin et le regret, vous passez par la rue devant chez Zoé et vous croisez Brian. Oh putain. Il a cassé la gueule à Brian? Sanglotant, il s'agrippe à vos bras. Il vous annonce qu'il était là... Qu'il était là le soir? Où Eva a disparu. C'est quoi ce bordel là? C'est sérieux? C'est sérieux ce qui se passe là? C'est comme ça que ça termine? C'est pas possible. Il faut qu'on fasse le 2. Et là je pense que je vais même pas vous poser la question est-ce qu'on fait le 2 ou pas? Je crois que direct après je vais enchaîner nos vidéos et je vais faire le 2 parce que je veux savoir ce qui va se passer. Donc en fait... Oh putain, j'aurais aimé savoir. Je pense qu'en fait, j'aurais peut-être pas dû lui dire qu'elle était morte. Et je pense que si j'avais pas dit ça, du coup, elle se serait pas suicidée, en fait, puisqu'elle aurait pas été... Il y aurait pas eu de chagrin ou quoi que ce soit. Et là, Brian vient de nous dire qu'il était là le soir où Zoé a disparu. Qu'est-ce qui se passe, putain? Il me perturbe. Ce jeu me perturbe de ouf. Je sais pas quoi en penser, il me perturbe. Bon, les copains, du coup, on va s'arrêter là. Dites-moi dans les commentaires justement ce que vous avez pensé du jeu, du coup, de la partie 1 et de la partie 2. Ça vous a bien résumé tout ce qui s'est passé. Et finalement, j'ai bien fait
de faire la partie 2 et de vous la mettre là, puisque ça aura pas duré longtemps finalement. Là, je suis à 16 minutes de rec, sachant qu'il y a des coupures et tout. Pour vous, ça doit être 10 minutes, quand même pas. Moi, là, juste après cette vidéo, je m'en vais sur le 2 le faire, puisque j'ai trop envie de le faire. Si vous voulez, dans la description, je vous mets le lien. Hein. C'est friendzoné de toute façon. Je vous mets le lien du 1 et le lien du 2 si vous voulez le faire. Le jeu est juste ouf. Donnez-moi votre avis sur le jeu, ce que vous en pensez, s'il est cool ou pas. Moi, j'adore cette histoire interactive et je pensais pas qu'à la fin elle allait se suicider. Et je pense qu'en fait, vu que je lui ai dit qu'elle est. Je pense que c'est parce que j'ai dit qu'elle était morte, qu'elle s'est suicidée. Je pense que c'est ça. Et si vous l'avez fait, du coup, dites-moi, s'il vous plaît, dans les commentaires, si, admettons, si on ne le disait pas, est-ce qu'elle se serait suicidée ou pas du tout, hein. Oh, c'est chaud, hein. Tu parles d'un rencard. Alors, elle va bien, Zoé? Oh, bah, elle s'est suicidée, hein, tout va bien. Bon, bah, du coup, les copains, on va s'arrêter là. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et lâcher un petit commentaire. De toute façon, je vous dis pas, mettez un pouce bleu pour savoir s'il y a une partie 2 ou pas. Mettez juste un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Et concernant les autres parties, je vais les faire tout simplement. Là, pour le coup, je vous demande pas, parce que j'aime tellement le jeu que j'ai pas envie de le faire toute seule. En fait, j'ai vraiment envie de le filmer pour que vous voyez mes réactions, parce que si c'est aussi ouf que le 1, franchement... Allez les copains, moi je le télécharge et puis du coup je vous dis à lundi pour une nouvelle vidéo. Lundi ça ne portera pas sur Friendzone. Friendzone ça sera dans la semaine, ne vous inquiétez pas. Partie 1 et 2. Par contre, lundi on se retrouve sur une petite vidéo interactive avec le téléphone, avec la PlayStation. Si vous voyez ce que je veux dire. On testera un petit jeu qui est assez sympa où chaque interaction qu'on va faire aura un impact sur la suite des événements. Et je ne serai pas toute seule pour le coup, mais ça vous allez le découvrir lundi. Je vous fais des gros bisous. Allez à lundi. Ciao.